right in your heart, groove just to grimpe là, hein. On est à 5-6% sur 6 km. Voilà, bienvenue en Catalogne. Faites pas de grimace parce que je vois rien. Des maisons. Ça va, Corinne? Ça va. On a dansé. Petite route, petit chemin là, goudronné encore. D'accord. Oui. Ah, c'est sympa là. Très sympa ces paysages, un peu secs. On voit que c'est une région qui manque d'eau, comme beaucoup de régions en Espagne. Thank you.
la boîte, un putain. Regarde. Bon ben les amis, notre sortie s'achève. On n'a pas fait d'introduction tout à l'heure parce qu'on est parti un peu précipitamment. Nos amis étaient prêts avant nous pour une fois. Donc voilà, il a fallu sauter sur les vélos, on n'a pas eu le temps de s'échauffer, on est parti comme des balles de fusil. Donc 77 km, 780 mètres de dénivelé. Donc on est parti un petit peu à l'inconnu, hein, puisque ne connaissant pas les routes catalanes dans cette région, on avait fait un parcours, mais sans trop savoir où ça allait nous emmener. Mais bon, on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Les paysages sont sympas. Bon, des fois, on traverse des zones qui le sont un petit peu moins. Ouais. Mais globalement, c'était plutôt une belle sortie. N'est-ce pas, Corinne ? Oui, ouais, j'ai bien apprécié. C'était bien sympa. Oui. Voilà. Et donc maintenant, nous allons aller manger. Ok, allez. Bye bye. À bientôt les amis. Bye, ciao. Hello tout le monde. Aujourd'hui, petite sortie de 55 km dans les environs de Creissel. Un parcours avec un petit dénivelé de 600 mètres quand même. Donc sans plus tarder, nous partons. Allez, c'est parti. Personne sur la plage. Personne sur la digue, très agréable. No habla. Dime. Venga. Aguántala así, así. Sí. Comme ça. Qu'est-ce que ça dit? Moi? Et 6% dans cette première côte, la même que nous avons utilisée lors de notre sortie d'avant-hier avec nos amis. Donc pente régulière sur un revêtement idéal, pas trop de circulation, pas trop de vent. Ça manque un peu de soleil pour l'instant, mais ça devrait arriver bientôt. C'est bien des grosses olives déjà. Ah oui, c'est des amandes. Ah ouais. Alors, on est arrivé au village de Montferry. Oh, je suis un peu essoufflé là parce que on vient de grimper un truc à je sais pas combien là, au moins 17-18%. Hop là. Et que ne voyons-nous pas sur notre droite cette réplique de la cathédrale de Barcelone,
la Sagra Familia. Donc on s'est dit, on va aller voir. C'est assez surprenant. On s'attendait pas du tout à voir ça sur notre chemin. Comment on peut y monter? Par la gauche là? Par où? Alright. Ah ouais, ouais, une belle réplique, hein. Très sympa comme endroit. Et en plus, quand il n'y a personne comme ça, allez, fin de sortie. Hello tout le monde. Ride the bike in Sud-Ouest, troisième sortie catalane aujourd'hui. On s'en va visiter un monastère dans les montagnes, environ 72 km et 750 mètres de dénivelé. Voilà, on part avec nos amis que nous attendons pour une fois. Allez, c'est parti, bonne journée. Bon là, petit point route, après 20 km, Corinne a eu un incident mécanique sur son vélo qui l'a obligé à faire demi-tour et de rentrer au camping. Un problème avec les étriers de frein à l'avant qui n'arrêtent pas de couiner. Donc c'est trop désagréable pour continuer à rouler dans ces conditions. Donc elle a fait demi-tour et nous on continue notre sortie, bon gré mal gré. Eh oui, allez, allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ça. Ça y ressemble en tout cas. Moi c'est bon. C'est essentiel, hein. Villa Rodana, Rodona. Voilà, encore 5-6 km. Et on a, ok, et on arrive au monastère. Dai, vai, bastone. Voilà, c'est bon. Action. Voilà, remets le tour de cou qui était à moi. J'avais passé à Corinne qui m'a repassé, que je leur donnerai à la fin du séjour. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Ça, c'est une bonne conclusion, une intro avec toi. Oui, oui. Bon, bon, sauf qu'on a rien compris, mais... Non, non, on est bon. Nickel. Bon, bah écoutez. Si je dis ça sent Corinne, tu vas me dire, mais dis donc, mais comment que ça se fait que tu connais l'odeur de Corinne? Oui, 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 oui. Thank you.
ouais, c'est dur. Hein. Ça grimpe. Voilà, 500 mètres de dénivelé sur 33 bornes. C'est chaud. Allez, une route inondable à passer, suivie d'un gros coup de cul. En tête, Nathalie, suivie de près par Jean-Pierre, qui met tout à gauche pour parvenir à grimper ce raidillon. Bon les amis, une sortie assez particulière aujourd'hui puisque nous n'avons pas du tout fait ce qui était prévu. Le GPS nous a un peu perdu, donc nous n'avons pas vu le monastère. Le parcours était tronqué et on se retrouve avec uniquement 60 km mais avec quand même 780 mètres de dénivelé, donc un peu mal aux pattes. Un peu mal aux pattes, donc là on va essayer de... Non, certainement pas. Après c'est vu par des millions de gens qui se foutent de ta gueule, donc... Donc cet après-midi on va essayer de trouver un magasin de vélo aux alentours pour faire réparer le vélo de Corinne. Parce que là, elle peut vraiment pas rouler avec ce problème de d'étrier de frein. Voilà, et ben suite au prochain épisode. Ciao. Ya te lo diré, ya te lo diré. Que más nos convenga, ¿no? ¿Y a mí? Sí, sí. ¿Vale? Ya te lo diré. Venga. Tranquilo, no sufras por esto. Venga. Bon, voilà, donc on vient de sortir du magasin de vélo. Un gars très très sympa, ça doit être un ancien coureur professionnel, je sais pas, mais voilà, il nous a remis des plaquettes qui sont pas des plaquettes des modèles d'origine, donc je sais pas si ça va tenir, mais ça ne tiendra que le temps de faire notre sortie de fin de semaine. Il faudra retourner dans le magasin Specialized pour les changer et remettre des modèles d'origine, mais bon là ça a l'air de tenir, on espère, on croise les doigts, si ça pouvait fonctionner ça serait vraiment génial. Salut Jean-Pierre, comment vas-tu? Très bien mon ami Romain. Bon, en forme? D'accord, tu es tout seul ce matin? Non. Ah, regarde, oh. Qui voilà. Que voici, que voilà. Et figurez-vous, 7h54 pour 8h. Et encore, on s'est freiné. Ouais. Il s'est dit, on va pour les réveiller. 10 minutes pour être vivant, 10 minutes pour mettre ses chaussures, 5 minutes pour les lunettes. Ah oui, c'était filmé au ralenti alors. Oui, très bien. Bon, il semblerait que tout le monde soit prêt ce matin pour notre dernière sortie de notre semaine
catalane. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de monter jusqu'au monastère de Santa Creus, ce qu'on n'a pas pu faire avant-hier, parce qu'on s'est tout simplement trompé de route. Donc aujourd'hui, on a briefé nos GPS et ça devrait bien se passer, 72 km et peut-être un peu moins de 900 mètres de dénivelé. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt ? C'est prêt. Tout le monde est prêt. Et mon vélo, tu es prêt mon vélo ? Et le vélo est-il prêt ? Ça, nous le saurons dans quelques minutes. Allez, c'est parti. Voilà les amis, ça grimpe. On est à 6-7%. Les choses. Hein ? Le paysage est joli. Ouais. Mais les choses sérieuses commencent. Les jeunes sont partis devant. Les vieux ferment la route. Il faut appeler le SAMU. Garez-vous là, oui. Non mais c'est pas grave. Hein. Ça va. Mais hein. Tu vas pisser le sol. Je vais appuyer dessus. Sauveteur secouriste du travail. Il faut appuyer sur la plaie pour que ça chauffe et que ça. Elle a un pansement. C'est un pansement. Oui. Ah, ouais, non, mais qu'est-ce que tu crois toi? Ces gens-là, ils font de la... J'avance pas parce que mon vélo il est chargé, si tu comprends bien. Ces gens-là, ils font des trucs... Je vois pas grand-chose avec mes lunes. Hein. Donc... Ah mince, attends. Du matin, le village dort encore. Ici en Espagne, la vie est organisée de façon très différente de la France. Ouais, bon là on a fait demi-tour parce que on s'enfonce dans un terrain inconnu et on a peur de ne pas arriver au monastère en temps et en heure, alors que Nathalie a fait demi-tour pour prendre la route avec son vélo de route forcément, donc on va essayer de la rejoindre pour se retrouver ensemble là-haut. Thank you.
Ah oui. Oh là. Magnifique. Sur les arbres. Oh. Oh, 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 oh. Bon, une rencontre très sympa avec les jeunes de Barcelone. Voilà les adolescents. On a papoté un petit peu. On s'est refilé nos adresses Instagram, YouTube. Donc les followers, ça va tomber. Sympa, hein? Un four à pizza? Oui. Petit point route, 58 km, 870 mètres de dénivelé, voilà, une bonne petite sortie. Là il nous reste une vingtaine de kilomètres et on va descendre sur la côte, la Méditerranée. Mais avec le vent en face.
Hello les amis. Coucou. Ainsi s'achève notre quatrième et dernière sortie en Catalogne. Aujourd'hui au menu 77 km et 950 mètres de dénivelé positif. Donc on a eu chaud dans tous les sens du terme. On a eu Nathalie a eu une mésaventure puisqu'elle a chuté, elle a touché ma roue et elle est partie dans le fossé. Donc quelques égratignures pour elle, on l'espère sans suite importante. Voilà. Par contre le vélo lui a morflé un peu plus, les cocottes de frein. Le dérailleur arrière. Donc il va falloir faire un passage par l'infirmerie chez Specialized à Toulouse. Ben, les deux nôtres aussi de toute façon vont suivre le même chemin parce qu'ils ont besoin d'une bonne révision tous les deux. Et puis nous on va essayer de se reposer un petit peu maintenant avant de regagner la capitale toulousaine. Très bien, ben, écoutez, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bye bye.